Bonjour mon petit monsieur, les IRM, en 5 minutes, c'est possible? Mais écoutez, ça dépend de vous, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je vais passer mon TOEIC là ce matin. Et? Bah, il est 7h55 et je voyais être à 8h. Oh putain, et... Mais l'anglais, tout le monde s'en fout, non? C'est pas ça? Eh, je suis en dernière année là, et je suis une putain de chèvre en anglais, et il me faut absolument ce diplôme. Et ce diplôme, pour l'avoir, il faut le TOEIC. Écoutez, diplôme d'ingénieur, on va faire tout notre possible. Allez-y, allez-y. Allez. Mais c'est pas notre itinéraire là, un itinéraire bis. Et Dijon, et c'est comme un labyrinthe. Tu rentres, tu sors toujours par le même chemin, sinon tu te perds. Putain, mais moi je suis juste en stress. Je peux juste regarder que ma montre. Putain, merde, voilà, maintenant il y a des travaux là. Putain, on sera jamais à l'heure quoi. C'est vert. Ça tombe bien, moi je connais bien le chemin de l'ESIRM. En fait, je suis un ancien infotronique. Ah ouais? Ouais, là je fais une thèse sur la consommation des transistors CMOS dans les calculateurs d'injection. Mais c'est bien ça comme thèse? Bah écoute, c'est pas trop mal, mais bon, pour l'instant je fais l'état de l'art des anciennes technologies comme tu peux voir. Et sinon, tu sais s'ils recrutent chez eux? Non, je crois qu'ils proposent quelque chose pour les matériaux, hein, quelque chose dans l'usure de la gomme ou comme ça. Ah, dans les pneus? C'est toujours comme ça à la fin. Vous m'avez sauvé la vie. Et sinon, pour votre permis? Vous inquiétez pas, moi je n'ai pas le permis de toute façon. Et bon courage pour votre TOEIC. Allez, à bientôt. Salut.